faire expérimentation et puis analyser résultats dans le stage génétique. Dans la vidéo, ça, nous allons apprendre comment pour nous faire un séquencement entre plusieurs qualités organismes dans le stage génétique. Nous allons apprendre tout, comment pour nous analyser les résultats de croisement ça y est. Nous allons croiser plusieurs qualités organismes. Nous allons observer avec un tableau croisement qui relève échiquier plus net pour nous ajouter l'autre petite dans un croisement. Et puis, nous allons interpréter les résultats d'expérimentation que nous faisons pour nous découvrir le principe génétique qui a la base caractéristique de la petite d'hier. En nous ouvrir un exercice nous est conservé sur ordinateur. Exercice dans relais, vidéo exercice sous mouche vinaigre. Dans la boîte souche là, nous avons deux mouches mitant. Ça veut dire qu'il est subi une mutation. Une femelle qui n'a pas d'ailes et un mâle qui a un corps gris. Et puis tout, nous avons une mouche mâle qui sortit dans une souche pie avec une mouche femelle type sauvage. Nous allons faire croisement entre ça pour nous voir si chaque phénotype mitant ça c'est un phénotype dominant ou bien un phénotype récessif. Et puis, s'il est autosomique ou soit s'il est marqué avec sexe. On nous commencer avec mouche mitant 1. On nous analyser phénotype mouche sans aile là. Pour nous arriver à connaître si phénotype mouche sans aile là, c'est un phénotype dominant ou bien un phénotype récessif, là nous comparer avec mouche type sauvage qui a des ailes là. N'a croisé femelle qui pas gen zèl là avec mâle type sauvage là. J'en nous capable faire ça, c'est traîner mouche qui parent yo sorti dans boîte souche là, laguer au côté croisement bras fait là. Ou bien cliquer deux fois sur mouche qui dans boîte souche là. L'autre façon capable ajouter un parent côté croisement à fait là, c'est cliquer sur icône verte qui écrit définir comme parent qui en bas boîte souche là. Pour parents yon paré, cliquez sur croiser. 50 petites mouches apparaissent comme petites parents sa yon. Quantité petite qui fait un exercice pour faire yon, capable de changer parce que c'est vous-même qui décidez combien petites vous voulez qui fait dans chaque grand exercice. Ou qu'à cliquer sur ajouter plus croisement ou qu'à gagner plus petites dans l'expérimentation ça. Comme ça, ou qu'à choisir quantité croisement vous voulez faire en plus. On nous choisit 9 et puis cliquez sur OK. Pour chaque croisement en plus, il y a 56 mouches en plus qu'à faire. Nous sommes fait 10 croisements en tout. Ça fait nous gagner 500 mouches pour analyser pour croisement ça. Il est très important pour nous remarquer que nous sommes capables d'ajouter l'autre petit dans le croisement qui est l'expérimentation fait pour hier. Depuis où nous voyons l'autre expérimentation, nous ne sommes pas capables d'ajouter plus petit. Dans n'importe expérimentation qui n'a filet qui écrit conserver expérimentation. En nous gardant phénotype petit saillot, nous avons trois façons pour analyser petit saillot. Étiquette individuelle là montrer toute petite aux gens ont été faites là sans y'a pas dans un ordre spécial. Étiquette en ordre là montrer petit yo en groupe selon phénotype et selon si yo mâle ou bien si yo femelle. Dans le cas ça, yo ba lis mal yo avant, après ça yo ba lis femelle yo. Si te gen l'autre classe phénotype, yo t'a groupé mouch yo selon classe phénotype ça tout. Et pour finir, étiquette résumé a montré quantité mâle et quantité femelle qui gagne en tout dans chaque phénotype. Comme ça, nous capable voir rapport phénotype petit yo. Nous capable voir toute description phénotype yo, mais nous cliquer sur afficher qui à côté description phénotype yo. Cliquez sur cacher pour nous cacher yon encore. Dans le résumé, nous sommes capables de voir bien facile toute petite F1 yon gen zèle type sauvage. Comme ça, nous connaissons phénotype sans zèle là, c'est un phénotype récessif, mais nous comparons avec phénotype type sauvage là. Pour cacher ces informations, nous sommes capables de mettre dans la section notes pour parents mitan qui sans zèle là. Pour nous, on nous garde ça passé les croisés des petites F1. Pour nous commencer une nouvelle expérimentation, cliquez sur le bouton qui écrit Faire une autre expérimentation. L'expérimentation nous fait avant, à conserver pour nous automatiquement dans la fenêtre en bas qui pour expérimentation qui conserve. Si vous cliquez sur le bouton l'autre nom, dans les fenêtres qui pour expérimentation qui conserve, vous pouvez changer nos expérimentations pour si vous avez besoin de tourner la dedans puis devant.
Pour faire ça, on va taper un autre nom pour expérimentation et puis cliquer sur OK. Ou capable d'avoir expérimentation qui n'a fenêtre qui ouvert pour y a un autre nom tout. Pour faire ça, on va cliquer sur boîte qui gagne non expérimentation à faire pour y a, on va taper un autre nom et pour cliquer sur OK. Pour nous croiser des petites F1, nous devons mettre des petites qui sortent dans le premier croisement, côté croisement au fait là. Ou qu'à prendre un mâle F1 avec un femelle F1 dans la première expérimentation qui fait A, dans la fenêtre pour l'expérimentation qui conserve. Après ça, cliquez sur croiser. Si vous voulez servir avec petite ça, vous avez un pile l'autre croisement puis devant, vous mettez dans la boîte souche là, ça va rendre plus facile pour préparer l'autre croisement ça. Pour faire ça, cliquez sur mouche là et puis cliquez sur l'icône bleue qui écrit ajouter souche là en bas boîte souche là. Ou bien, ou ka traîner yo pour mettre yo directement dans la boîte souche là. Ou ka changer nom mouche là tout, ou ka changer le plus facile. Pour faire ça, cliquez sur le nom qui est ouvert dans la boîte caractéristique là, et puis entrez yon l'autre nom pour mouche là. Dans le croisement des mouches F1 yo, yon l'autre fois encore, yon 50 petites qui fait. Dans l'étiquette résumé là, nous ka ouais, pour ni mâle ni femelle, yon mouche qui gen zèle, yon mouche qui pas gen zèle. Nous avons servi à la table d'échiquier là pour aider nous à analyser les résultats nous jouons dans le croisement. Dans le premier croisement entre femelle mi-temps et mâle type sauvage, là, nous connaissons par un mâle là, c'est une variété souche pie et type sauvage. Si phénotype sans elle là, c'est un phénotype récessif, ça veut dire par un femelle là, homozygote pour caractéristiques récessives là, et toute petite F1 a pété homozygote et a bien phénotype zèle type sauvage là. Dans le dernier croisement, nous croisons deux hétérozygotes F1 ensemble. D'après l'échiquier punaise là, nous espérons rejoindre un rapport génotype 1, 2, 1, qui est un rapport phénotype 3 pour Youn. Là, nous considérons les caractéristiques côté mouche là par Genzel, c'est une caractéristique récessive. Dans l'étiquette résumée là, nous sommes capables de pas exactement un rapport 3 pour une ou bien 75% pour 25% de nous gagner 50 petites seulement. Mais, ça qui arrive, c'est de nous ajouter plus de croisement. On nous servir à bouton ajouter plus de croisement pour nous ajouter 9 autres croisements. Pour nous gagner 500 mouches en tout. Rapport entre mouches sauvages qui gagnent zèle et mouches qui sans zèle, puis près rapport 3 pour 1 nous espérer. Quantité mâle et quantité femelle dans chaque phénotype plus ou moins égale. Là, nous augmentons gros échantillon, ou bien quantité petite ou plus toujours, ça permet de nous gagner un rapport qui est plus rapport phénotype nous espérons. Pour nous garder deuxième mouche mi-temps, mâle qui gagne coagria. Pour nous arriver à connaître si phénotype coagria c'est un phénotype dominant ou bien un phénotype récessif par rapport à phénotype poulet ou type sauvage là, on nous commence une autre expérimentation et puis on nous croise mouche mi-temps DA avec une mouche femelle type sauvage. Toute mouche F1 a une couleur comme type sauvage là, qui donc nous connaît pas rien si on fait le type récessif par rapport à phénotype type sauvage là. On nous croise des mouches F1. Pour nous faire ça, on nous commence une autre expérimentation et puis dans finit expérimentation qui conserve on nous assure nous, c'est l'expérimentation numéro 3 qui nous choisit dans le menu déroulant. C'est l'expérimentation qui nous fait se faire. On nous choisit une femelle avec un mâle mouche F1. On nous mettait au côté croisement au fait là et puis cliquer sur croiser. Nous n'avons aucune mouche femelle qui n'a pas de phénotype coagulant. Ça fait nous quoi? Caractéristique coagulant, c'est un caractère qui m'a connu avec sexe. On nous essaie d'ajouter plus de croisement pour nous voir si les résultats ont changé. Mais nous avons 500 mouches en tout, qui veut dire 9 croisements en plus. Nous voyons une femelle qui n'a pas de coagulant toujours. Et plus ou moins moitié dans le mâle, il y a un corps gris, et moitié dans le corps type sauvage. Ça corrige l'idée, phénotype corps gris, c'est un phénotype récessif qui marque qu'on est avec sexe. Une autre fois encore, nous sommes capables de prendre note pour ça nous voir dans la boîte caractéristique là. Comme ça, nous sommes arrivés à suivre toute qualité mi-temps. Pour conserver le travail au fin fait, ça veut dire ni fenêtre qui est expérimentation active, ni fenêtre qui est expérimentation conservée, allez sur l'étiquette qui est écrit fichier et puis cliquez sur conserver. Créez un nom pour marquer l'expérimentation à faire
et puis cliquez côté qui écrit save en anglais ou soit sauvegarder en français. Pour y aller, vous conservez le fichier charge génétique ça comme un fichier SG1. Lorsque vous ouvrez le dossier ça dans Star Genetics, vous tournez exactement côté où vous avez campé l'expérimentation. Pour transférer les données dans un fichier Excel, cliquez sur conserver rapport dans un fichier Excel. Si on va récapituler, si tous les web analyser connexion entre deux gènes différents, ou bien les ouvrir transférer données dans un cahier laboratoire.